Edward Bond disait « Je ne suis pas venu au monde pour être diverti, je veux plus. Ben, » se divertir, c'est vouloir être distrait. Mais de quoi ? Ben, c'est là le problème. La distraction n'a rien à voir avec la culture. Elle occupe l'esprit. Ben, elle ne l'emmène nulle part. Bon, non pas qu'il ne faille pas se divertir, mais aujourd'hui, le divertissement est devenu un véritable rouleau compresseur. François Mitterrand n'en a pris la mesure que trop tard. Et à partir de là, la surconsommation, la valeur marchande ont tout transformé. Et les politiques y ont laissé leur part de curiosité et leur force de résistance en chemin. Il y a pensée quand on est politique. Il y a évanouissement de la pensée quand on devient politicien. Lors de mes voyages ministériels, j'emportais toujours les poètes avec moi pour cette raison, pour ne pas cesser de rêver avec eux. Je lisais et relisais Peggy, Baudelaire, Hugo, Saint-John Perse. Je les relis toujours d'ailleurs. Mais pour en revenir à ma relation avec Aragon, ce n'est pas tant mon lien avec lui qui est intéressant. Mais c'est toutes les fraternités qu'il avait. C'est Bernard Noël, c'est Antoine Vitez qui disait d'Aragon « Il passe en ombre derrière ce que je fais ».